Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1191e épisode de l'After Zapimage. On va débuter avec le programme de la soirée pour cette dernière journée de phase de groupe de la Champions League. Deux matchs à 18h45, la Juventus reçoit Malmö, le Zénith Saint-Pétersbourg reçoit Chelsea et puis ensuite à 21h le multiplex avec notamment l'Atalanta face à Villarreal, Manchester United face aux Young Boys, le Bayern reçoit le Barça, le Benfica reçoit le Dynamo Kiev, Salzbourg reçoit Séville. Et Lille sera du côté de Wolfsburg. On rappelle que le LOSC est en très bonne position pour aller valider sa qualification ce soir. Dernière marche donc ce soir pour les nordistes du côté de Wolfsburg. On enchaîne avec les résultats de la veille. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4 buts à 1 face à Bruges. Dans un match où on a vu une équipe parisienne assez séduisante, ou en tout cas beaucoup plus séduisante que ce que l'on peut voir en Ligue 1 ou sur certains matchs de Ligue des Champions depuis le début d'année. Alors tout n'a pas été parfait non plus, mais en tout cas la première mi-temps était plutôt d'une bonne qualité côté parisien. Après, voilà, il y a aussi beaucoup de progrès à réaliser, notamment sur l'aspect défensif, hein, parce que c'est quand même assez inquiétant d'être autant mis en difficulté par une équipe comme Bruges, quoi. C'est pas non plus un cadeau européen, et pourtant les Belges hier ont réussi à avoir pas mal de bonnes situations sur le but de Donnarumma. La victoire du Paris Saint-Germain est signée Kylian Mbappé grâce à un doublé en début de match et puis un doublé aussi pour Léo Messi. En ce qui concerne Kylian Mbappé, il est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 30 buts en Ligue des Champions. Précisément 31 buts inscrits par Mbappé en 51 matchs. Donc le ratio est parfait pour Mbappé, qui est décisif au moins une fois par match en Champions League. 51 matchs, 31 buts et 20 passes décisives. La petite déclat de Kylian Mbappé par rapport à cette victoire 4 buts à 1, il nous dit une gestion de nos matchs pas toujours adéquate avec le haut niveau. Voilà, du côté de Paris, on a vu de bonnes choses, notamment sur la première période. Après, on a vu aussi le Paris Saint-Germain beaucoup moins à l'aise en seconde mi-temps, ce que l'on voit déjà depuis le début de saison, un PSG qui est un petit peu en demi-teinte sur certains matchs. Ils sont capables de faire 30 minutes très intéressantes et puis après de passer complètement à côté pendant 30 minutes. Alors évidemment, ça ce sont des choses qu'il faut rectifier avant les matchs à élimination directe dans quelques mois. Belle petite image aussi pour le doublé de Léo Messi en fin de rencontre hier. Kylian Mbappé a offert le ballon du pénalty à Léo Messi. Une belle petite image, une belle complicité entre les deux joueurs. Au final, après cette campagne de phase de groupe, Lionel Messi termine avec 5 buts inscrits du côté de Paris. Les deux, il a marqué 3 pénaltys, puis 2 jolis buts. Le but face à City, puis le premier but hier pour Messi est aussi magnifique. Messi rejoint aussi Cristiano Ronaldo grâce à ce but inscrit hier face à Bruges. Lionel Messi a marqué contre 38 clubs différents en Ligue des Champions, tout comme Cristiano Ronaldo. Petite stat aussi, puisque c'est quand même rare du côté de Paris. Lionel Messi a trouvé le chemin des filets lors de ses 3 premiers matchs à domicile avec le PSG en Ligue des Champions. Seuls Georges Weah et Neymar ont réalisé égale performance au Paris Saint-Germain dans la compétition. Donc on parle quand même d'une certaine élite, évidemment, avec Georges Weah, pardon. Et Neymar, la petite déclat de Mauricio Pochettino sur le fait de voir Kylian Mbappé donner ce ballon du quatrième but à Léo Messi, il nous dit « C'est à eux d'identifier sur le moment qui en a le plus besoin, qui est le plus en confiance. C'est quelque chose qu'ils décident eux-mêmes sur le terrain. Ils peuvent tous tirer un pénalty, mais sur le moment, c'est une question de confiance et de prise de responsabilité. » Autre déclat de Mauricio Pochettino, assez satisfait du match hier de ses troupes, il nous dit « La graine est plantée, il y aura de belles fleurs, la responsabilité était de montrer un peu plus. Je suis heureux de la performance, heureux pour les joueurs, c'est un bon pas en avant. On sait qu'on peut encore s'améliorer, ce n'est pas incroyable, mais c'est un petit pas qui reste quand même tout de même assez important. Eh bien, on espère que c'est le début de gros progrès côté parisien. En tout cas, c'est plutôt pas mal ce que l'on a vu hier, notamment en première mi-temps. Après aussi, voilà, c'était une équipe de Bruges qui a quand même laissé énormément d'espace hier, mais il y avait quand même des progrès côté parisien, même s'il y a beaucoup de choses aussi à rectifier sur l'aspect défensif. Petite statistique d'ailleurs sur les Belges qui ont pourtant bien démarré leur campagne européenne. Ça s'est corsé par la suite pour Bruges, puisque le club Bruges a encaissé au moins 4 buts lors de chacun de ses 4 derniers matchs en Champions League. C'est la pire série dans l'histoire de
la compétition. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, aux adversaires potentiels du Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Champions League. Alors, tous ne sont pas encore connus, puisqu'il y a encore des matchs ce soir, mais possiblement le Paris Saint-Germain pourra affronter Liverpool, l'Ajax, le Real, le Bayern, Manchester United, Salzbourg, Séville ou Wolfsburg, et puis la Juventus ou Chelsea. Donc on a quand même de très très gros noms en face du Paris Saint-Germain. Évidemment que par rapport à cette liste que l'on a sous les yeux, il semble assez logique de penser que le groupe de Lille pourrait donner un adversaire inférieur au Paris Saint-Germain, sinon tous les autres, ce sont quand même de très très gros cadors. Ensuite, une petite déclat de Néné que l'on a vu hier en tribune, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui était accompagné de son ami Neymar. Il nous dit « Neymar est calme, bien sûr, il n'est pas heureux, c'est un moment difficile, il a encore très mal à la cheville, mais j'essaye de le soutenir, d'être avec lui, de lui dire de rester positif, que ça va passer ». Il va revenir dans un mois et demi environ. Ensuite, on a aussi une petite information mercato côté parisien. Mauro Icardi ne souhaite pas quitter le Paris Saint-Germain sur ce mercato hivernal. Ça a été confirmé par RMC. Hein. L'entourage du joueur a confirmé que Mauro Icardi souhaitait continuer avec le Paris Saint-Germain. Direction cette fois-ci le Portugal. Le Porto recevait hier l'Atlético Madrid. Victoire pour l'Atlético, 3 buts à 1. Celle-là, elle fait du bien aux Colchoneros hein, qui sont en difficulté depuis le début de saison dans leur jeu, tout simplement, qui était en grande difficulté en Ligue des Champions. Il fallait absolument s'imposer du côté du Portugal. Victoire 3 buts à 1 dans un match made in Atlético avec une défense que l'on a retrouvée et beaucoup plus solide. Un grand Yann Oblak, un grand Antoine Griezmann impliqué sur les 3 buts. Buteur, passeur décisif et impliqué sur le 3e but. Arnaud Correa, Rodrigo de Paul du côté de l'Atlético. Cette victoire, elle fait énormément de bien. Regardez cette belle image dans le vestiaire des Colchoneros après le match. Il y avait même des joueurs qui étaient en pleurs dans le vestiaire, tant cette campagne européenne a été compliquée pour les hommes de Diego Simeone, mais la qualification est là pour l'Atleti, même si, comme pour le Paris Saint-Germain, il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à réaliser pour les Colchoneros. Petite image d'Antoine Griezmann hein, qui a été récompensé hier hein, du trophée d'homme du match. Et oui, un buteur, passeur décisif et aussi impliqué dans la construction du troisième but. Antoine Griezmann qui retrouve toutes ses sensations hein, du côté de l'Atleti, puisque cette saison, c'est le joueur le plus décisif de l'Atlético Madrid, auteur de 7 buts et 3 passes décisives. Ensuite, cette victoire de l'Atlético Madrid, elle élimine aussi l'AC Milan, puisque les Rossoneri ont été battus à domicile hier par Liverpool, 2 buts à 1. Mo Salah, Divock Origi ont marqué côté Reds, alors que c'est Tomori qui avait ouvert le score pour Milan. Après, il n'y a pas de contestation possible sur cette rencontre. Hein. Les Rossoneri ont été mangés par Liverpool hier, et pourtant Jurgen Klopp avait quand même fait tourner son effectif. Hormis en attaque, on retrouvait quand même Mané et Salah. Sinon, il y avait quand même pas mal de turnover dans l'effectif des Reds. Ça n'a rien changé. Liverpool a dominé outrageusement cette rencontre du côté de San Siro. D'ailleurs, c'est un exploit réalisé par les Reds hier, puisque Liverpool est devenue la première équipe anglaise à passer la phase de groupe de Ligue des Champions avec un bilan de 6 victoires sur ces 6 matchs. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du football anglais. Petite stat aussi très intéressante sur Mohamed Salah hein, qui marche sur l'eau depuis le début de saison. Il n'arrête pas de battre des records avec Liverpool. Les 7 derniers matchs à l'extérieur de Mo Salah en Ligue des Champions, il a à chaque fois été décisif avec au moins un but inscrit sur ces 7 matchs à l'extérieur. Ensuite, du côté de Dortmund, le Borussia était déjà éliminé. Bon, Dortmund s'est quand même imposé 5-0 face au Besiktas grâce à un but de Daniel Malen, un doublé pour Marco Reus et puis un doublé aussi pour Erling Haaland, alors qu'Haaland était remplaçant lors de cette rencontre. Il est entré à la 63e minute de jeu. 5 minutes plus tard, il était buteur. À la 81e, il inscrivait déjà un doublé. Donc un doublé en 18 minutes pour Erling Haaland. Quelques stats côté Beşiktaş. Bilan catastrophique pour le club turc en Ligue des Champions. 6 matchs, 6 défaites. 3 buts marqués pour 19 buts encaissés. Du côté de l'Ajax Amsterdam, nouvelle victoire pour les Néerlandais. 4-2 face au Sporting Portugal. Sébastien Haller a de nouveau marqué. Anthony, David Neres ou encore Steven Bergwijn ont marqué côté Ajax. L'Ajax aussi termine cette phase de groupe de la Champions League avec 6 victoires. Et là aussi, c'est un exploit hein, puisque regardez, vous avez la liste des équipes dans l'histoire de la Champions League qui ont remporté
leurs 6 matchs. Et cette liste, elle n'est quand même pas très exhaustive. Hein. C'est rare quand même de remporter ces 6 matchs en Champions League. Eh bien, on a deux équipes qui l'ont fait cette année. Liverpool et l'Ajax Amsterdam, avec donc un nouveau but pour Sébastien Haller, inarrêtable. Il a inscrit 10 buts lors de cette phase de poule de Champions League. Il a réalisé donc un 6 sur 6 avec son équipe. Jusqu'ici, seul Cristiano avait réalisé l'exploit de marquer lors de chaque match d'une phase de groupe de Ligue des Champions, puisque Haller a marqué sur les 6 matchs de phase de groupe de l'Ajax cette saison. On va poursuivre du côté de Madrid, où le Real s'est imposé 2-0 face à l'Inter. C'était un gros duel, mais un duel sans véritable enjeu. Les deux équipes étaient d'ores et déjà qualifiées. Il fallait assurer la première place côté merengue, ça a été fait. Buteur Toni Kroos et Marco Asensio. Du côté de l'Inter, on a terminé à 10 après l'expulsion de Nicolò Barella. Très très gros match hein, du côté de Madrid, mais on peut dire aussi la même chose côté interiste. Ça a été vraiment un super match hier. La décla de Carlo Ancelotti qui nous dit « on a fait un match intelligent ». Alors qu'est-ce que veut dire Ancelotti par un match intelligent? C'est tout simplement que le Real hier a laissé le ballon à l'Inter. L'Inter a su se montrer dangereux, mais le Real a vraiment piqué, notamment en contre-attaque. Alors évidemment, bon, c'était pas non plus un attaque-défense, mais c'était la tactique choisie par Ancelotti hier, de laisser le ballon aux interistes. Luka Modric nous en dit un petit peu plus, il nous dit, Ancelotti nous a dit de ne pas appuyer et de les laisser avoir le ballon dans leur moitié de terrain. Quand ils se sont approchés de notre moitié, nous avons appuyé, nous avons bien joué et créé de nombreuses occasions. Kroos a marqué un excellent but, un magnifique but, très beau but, un côté merengue hier. Il y a eu vraiment de grosses situations des deux côtés, après, avec un style de jeu différent pour chaque équipe. Luka Jovic aussi a disputé cette rencontre hier, il a quitté le terrain heureux, il a même été applaudi par le Santiago Bernabeu. Il n'a pas marqué, mais il a été quand même diablement intéressant sur le terrain, Luka Jovic. Donc c'est peut-être aussi le renouveau pour Luka Jovic après voilà, plus d'un an et demi de galère hein, côté Real Madrid. Ensuite, on a une déclaration de Carlo Ancelotti sur Karim Benzema. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque Ancelotti annonce que Benzema devrait être disponible pour le derby ce week-end face à l'Atlético Madrid. Direction cette fois-ci Munich pour terminer cet épisode. Deux déclarations de Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, à propos déjà de la défense de son équipe. Il nous dit « Nous sommes une équipe qui a beaucoup de possession de balles. L'équipe veut marquer beaucoup de buts. Nous jouons avec énormément de joueurs offensifs. Nous devons donc être très bons en défense et en contre-attaque. » Autre déclat de Julian Nagelsmann qui nous dit « Manuel Neuer et Robert Lewandowski seront titulaires face au Barça. Ne vous inquiétez pas, nous jouerons avec la meilleure équipe possible. » Mes salutations au Benfica. Donc voilà, le message est très clair. Même si le Bayern est qualifié, le Bayern jouera ce match à fond face au Barça. Quelques petites informations sur le groupe bavarois. Il y a quand même quelques absents hein, côté bavarois. Leon Goretzka, Serge Gnabry, Eric Maxim, Choupo-Moting et Joshua Kimmich sont tous forfaits pour cette rencontre. On va terminer aussi avec une dernière petite info côté bavarois. Information qui concerne Kingsley Coman et son avenir. Kingsley Coman n'est pas fermé à un départ du Bayern sur le mercato estival, puisqu'il nous dit « Je veux juste finir la saison et donner le meilleur de moi-même. Après, on verra. » Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.